Des communes entières sous les eaux, 2300 hectares complètement immergés. Voilà le triste spectacle que donne à voir le Réolais depuis ce matin. Face à la montée de l'eau qui s'est brusquement accélérée hier soir, une soixantaine d'évacuations ont été réalisées par les pompiers et les agents municipaux. Ils ne mettent pas les pieds dans l'eau. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Silvano Dalsanto a dû quitter sa maison pour passer un examen médical. Sinon, il y serait resté, dit-il, malgré les 90 cm d'eau qui se sont infiltrés dans son habitation. On a monté ce qu'il y avait dans les armoires, tout ça, mais le reste, les meubles sont restés en bas. Hein. Mais écoutez, on est assuré, ils prendront bien peut-être en charge, j'espère, hein, j'espère. Voilà, c'est comme ça la vie. Serge Poujardieu est le maire de la petite commune de Fontet, désormais uniquement accessible par bateau. Lui et son équipe municipale sont à pied d'œuvre depuis hier soir. Je suis rentré chez moi, c'était 1h15 ce matin. Et puis là, depuis 6h, on est reparti. Et bon, on fait notre possible, mais on ne peut pas tout faire malheureusement. Alors on fait des contents, on fait des mécontents. Et voilà. Mais on a beau se couper en 3, en 4, et on ne peut pas tout faire. Alors attendez, je ne sais pas où je suis. Là. Hop là. Vas-y, pousse un peu Serge. Il faut mettre à l'abri les hommes, mais aussi les animaux. Ce chien va pouvoir retrouver son maître après un petit tour de barque. Et pour ceux qui ont décidé de rester chez eux coûte que coûte, une distribution de colis alimentaires a été mise en place.